Hello YouTube, bienvenue sur le YouTube Up de décembre des dingos de Scrap. Je vous le dis tout de suite, les autres dingos qui ont participé à ce YouTube Up de décembre seront tous listés en barre d'infos avec le lien de leur vidéo que vous pourrez aller visiter en faisant hop hop hop. C'est le but du jeu. Donc ce mois-ci, pour les dingos du Scrap, on devait faire un home déco. Soit pour le sapin, enfin pour ce qu'on voulait quoi, en fait un home déco sur le thème de Noël hein, je pense. Et les couleurs c'était rouge, vert, marron, doré et argenté accepté. Voilà, moi je suis partie sur une suspension qu'on suspendra dans le sapin. Où vous voulez en fait, hein. Vous pouvez le suspendre au sapin, mais vous pouvez le suspendre au poignet de porte, enfin vous allez voir. En fait on va faire des trois petits rouleaux comme ça, donc j'ai pris, c'est du un petit peu du marron quand même, hein. On va dire qu'il y a quand même un petit peu du marron. Il y a du vert et j'ai du rouge. Ça ce sont des papiers qui viennent de ce bloc de Lemoncraft Christmas Carols. Par contre, sincèrement, c'est un bloc qui est très 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 vieux. Je sais pas de quand il date, mais c'est une copine qui me l'avait offert et ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai. Peut-être pas 3 ans, mais au moins 2 ans et demi. Ouais, au moins 2 ans et demi. Donc je sais pas si vous pourrez le retrouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler nos petits papiers pour faire des petits rouleaux. Des petits rouleaux. Quoi. Tchouk, 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 tchouk. Je vais essayer de ne pas me cramer. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de finir mon calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais voilà la cloque que j'ai sur le bout du doigt. À cause de ce pistolet à colle là que je déteste, je me suis carrément mais brûlé le doigt. Donc on va essayer de ne pas recommencer la même bêtise, ce serait sympa. Donc on vient tchoup, mettre de la colle chaude. Je le fais à la colle chaude parce que c'est que ça va vachement plus vite quoi. Parce qu'après si on ne fait pas la colle chaude, c'est que la prise elle est nettement moins rapide. Pour le coup, oups, ok. On s'en fout partout. J'ai pas l'impression que ce soit super bien collé. En plus d'être naze, ce pistolet ne colle pas, quoi. Vous le croyez, ça? Quand je vous dis que je le déteste, hein, c'est pas pour rien. Ça fait, ça fait rouge, mais ça... Ouais, si, ça fait bordeaux. Ça fait bordeaux, enfin, ça fait rouge-bordeaux, quoi. On va dire ça comme ça. Là, je vais l'enrouler dans ce sens-là. Parce qu'étant donné qu'il y a des jolies petites arabesques sur le bord, ce serait cool qu'on puisse les voir. Parce que si je le roule dans l'autre sens, forcément, ils seront à l'intérieur. Donc, on ne les verra plus. Alors, attendez, je vais prendre un plat. Parce que il y a des fois, ça se... Comme les papiers sont quand même relativement un peu épais... Hop là. Par moment c'est pas forcément évident. Ok, hop là, putain, voilà, je me suis rebrûlée. Non, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Vraiment, c'est vraiment pas possible. Je vais prendre mon espèce de spatule là.
Puis advienne que pourra, hein. Faudra que ça colle de toute manière, il n'y a pas le choix. Mais ça, c'est vrai que c'est relou hein, quand même. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les coller toutes les trois ensemble, comme ceci. Donc, on va coller bah, les côtés qui sont pas beaux. Hein. On va les coller ensemble. Demain, il faut absolument que j'aille à Lidl demain soir, après le travail. Parce que j'ai vu qu'ils sortaient, enfin, qu'ils avaient en vente à partir de demain leur, bah, leur pistolet à colle, justement. Et je l'aime beaucoup, leur pistolet à colle. Celui que j'avais avant, bah, c'était Lidl. Et franchement, franchement, rien à dire. Hein, vraiment super bien. Voilà. Et celui-ci, on va le coller. Comme ça. Et du coup, bah, faut absolument que j'y aille demain après le travail. Parce que sinon, si j'attends bah, vendredi ou samedi pour faire mes courses, il n'y en aura plus du tout. Ok. Voilà. Voilà. Super. Donc vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des petits rouleaux comme ça. Il me semble que j'en avais fait un il y a 2 ans. 2 ans parce que l'année dernière j'avais fait des trucs en tissu. Il me semble que j'en avais fait un, mais je sais pas où il est. Je sais pas du tout où je l'ai mis peut-être. Remarquez, je l'avais peut-être fait pour l'offrir, je me souviens pas du tout. Donc ça c'est fait. Ah, c'est vraiment pas beau derrière. Hein. Hop là. Hop là. Ok. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, bah, c'est qu'on va venir décorer tout ça. Donc, je vais prendre un ruban bah, doré, hein, comme il était préconisé de le faire. D'ailleurs, j'en prendrai aussi un bout pour accrocher là. Je le fais maintenant. Attendez, hop là, je vais couper d'abord, peut-être. Oups, voilà. Et maintenant, on va venir faire un nœud. On va essayer de faire en sorte qu'il soit un peu joli. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Ou alors, ce que je fais... Ouais, non. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Là, vu qu'il y a le nœud, hop là. On va laisser comme ça. Je vais refaire un petit nœud même. Et en fait, je vais venir faire mon nœud et le coller direct avec de la colle chaude. Est-ce que je vais avoir assez? Là, c'est pas gagné. Hein, c'est pas garanti. Oh, si, peut-être. Je vais le faire avec mes doigts parce que j'y arrive mieux. Ok. Oh. Allez, merci. Donc là, vite. Ok, donc ça, on va venir le coller comme ceci. Après, ça, c'est pas très joli. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est... Là,
c'est mieux. Putain, je suis vraiment emboulée quand même pour faire les nœuds. Hein. Bref, passons. On met un point de colle chaude. Ah ouais. Hop là. On va venir le coller pas dessus, mais juste au-dessus du machin. Et là, on va venir prendre des petites... Alors, c'est pas des pignes de pain, hein. Mais ça y ressemble. On va venir en prendre et en mettre dans le centre. Ah, peut-être que je vais mettre un petit peu de verdure. Ouais, je vais peut-être venir mettre un chouïa de verdure là, comme ça. Comme ça, et puis une autre dans l'autre sens. Oh, crotte. Le bâtonnet de colle qui vient de voler. Choup. Comme ceci. Et... C'est un chouïa trop grand ce truc. Hop là. Hop là, on va mettre une petite boule. Comme ceci ici. On va mettre une petite comme ça. Elle est peut-être un peu petite, elle. Hop là, on va prendre celle-ci. Du coup, cette année, pour les décos de Noël, ça va être clairement avec le matos qui reste de l'année dernière. Parce que clairement, les magasins sont fermés. Et Action, c'est vrai que pour ça, au niveau des petits trucs là comme ça, des mini pignes de pain. Des petites étoiles, enfin tout ça là, sincèrement ils assurent, et puis franchement ça, leur prix ça défie toute concurrence, hein. Donc cette année va falloir s'en passer. C'est pas grave, il me reste un petit peu de trucs de l'année dernière, et puis je suis allée en forêt, j'ai ramassé des toutes petites pignes de pin comme ça là, des pas très très grandes, et je vous ferai un DIY aussi avec une pine de pin. Que ça pour le coup on le trouve dans la nature, tout le monde a du ruban. Bon, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer. Alors est-ce que je vais y arriver avec ma crocodile? On va voir. Non, je vais pas y... je vais pas y arriver, elle est folle cette gonzesse. Alors on va prendre ça normalement, mais non, normalement rien du tout, normalement c'est beaucoup trop gros. Merde, crotte, zut, flûte. Moi, c'est pas grave, je vais prendre mon picot, puis je vais essayer d'agrandir le chose, quoi. Je vais essayer d'agrandir le chose. Putain.
Vous savez quoi? Parce que ça, c'est juste pour mettre le, juste pour mettre mon petit galon là, pour l'accrocher. Donc, je vais le faire hors caméra, histoire que ça ne mette pas des plombes. Hein. Et puis, je vous le présente une fois que j'ai fini tout ça. A few minutes later. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai réussi à mettre mon petit machin dedans. Et hop là. Pardon. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien parmi tout ce bazar. Attends, je vais faire un petit peu de nettoyage. Peut-être sur du blanc, ça irait peut-être mieux. Hein ? Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais je pense que sur du blanc, bizarrement, tout de suite, on verrait mieux. Ouais, c'est ça. Bon, et bien écoutez, voilà pour ce qui était. C'était tout. Voilà, c'était vraiment tout facile à faire. Moi, je trouve que pour mettre dans les sapins ou accrocher aux portes, aux poignées de porte, bah, ça fait tout son petit effet. J'adore ces petits. Moi, j'adore ces petits rouleaux. Je trouve ça trop beau. J'en mets tout le temps dans mon sapin. J'en mets tout le temps. J'en ai tout le temps. Tous les ans, j'en ai. Je trouve ça trop joli. Bon, mais écoutez, j'espère que ce petit YouTube Up de décembre vous aura plu. On est en plein, bah, voilà, hein, on est le 1er décembre, donc on commence, on est en plein dans la période des créas de Noël. Donc, je trouve qu'elle tombait plutôt pas mal à pic, celle-ci. On va se quitter sur une pensée positive. N'oubliez pas d'aller voir les autres dingos qui ont participé à ce YouTube Up de décembre. De toute manière, je vous aurai listé tous les liens de leurs vidéos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller les voir. Tous les mois, il y a vraiment des super créations. On va se quitter donc sur une pensée positive qui sera... Pour qui est jeune d'esprit, tout est divertissant. Je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très très vite. Ciao !